Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la chanson que j'utilise dans ma classe pour les jours de la semaine avec la mascotte de notre classe qui est lui là, le loup des albums des éditions Ozu, hein, donc le loup que beaucoup connaissent et que beaucoup ont d'ailleurs à la maison. Donc chez nous il s'appelle Léonard et je vais vraiment le customiser parce que j'ai de plus en plus d'enfants qui ont le même à la maison. Donc, je sais pas, je vais lui rajouter des trucs pour vraiment qu'il fasse très très Léonard. Mais sinon, voilà, c'est lui. Et alors, lui, le lundi, il s'habille en vert, le mardi, il est rouge, le mercredi, il est rose. Voilà. Donc, on suit les couleurs de l'album. Et la chanson, ça donne ça. Alors, ça fait. Lundi, le loup se peignit en vert, vert, vert. Mardi, il s'habilla tout en rouge, rouge, rouge. Mercredi, recouvrit ses poils de rouge. Jeudi, si froid qu'il devint tout bleu, bleu, bleu. Vendredi, colla des écorces d'orange, orange, orange. Samedi, roula dans la boue marron, ron, ron. Dimanche, vola les plumes du paon multicolore. Finalement, il préféra ses poils de loup, loup, loup. Voilà. Donc, cette chanson, elle est issue d'une adaptation, en fait, c'est une adaptation de la Semaine des Canards. Alors, si vous voulez avoir la Semaine des Canards avec tout, hein, les affiches, les dessins, tout ce qui s'ensuit, vous allez sur la maternelle de moustache. Je vous mettrai le lien du site dans mon blog, dans l'article du tuto de cette chanson. Si vous n'avez pas de mascotte loup, ou que vous en avez une autre et que vous n'avez pas de chanson de la semaine, c'est une chanson qui peut être sympa parce que d'un point de vue phonétique, à chaque fin de vers, on a le début du jour suivant. Puisque ça fait lundi, les canards vont à la mare, mare, mare. Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer, mer, mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu, jeu, jeu. Jeudi, ils se promènent dans le vent, vent, vent. Voilà. Donc, tout ça, c'est sur la maternelle de moustache. Vous avez des partitions même pour cette chanson. Vous avez deux partitions. Une partition, j'allais dire, originale, je pense que c'est de là que c'était parti au départ, de Nicole Moisé. Mais c'est pas du tout ce que je viens de vous jouer. Nicole Moisé, elle fait lundi, les canards vont à la mare, 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 mardi. Ils s'en vont jusqu'à la mer, mer, mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu, ils sont heureux. Et jeudi, ils se promènent dans le vent. Voilà, donc c'est pas du tout la même. Donc, utilisez celle que je viens de vous faire qui est plus simple, sauf si vous voulez faire celle de Nicole Moisé, hein, j'y vois pas d'inconvénient. Et vous avez cette partition qui est aussi sur le site de Moustache, la partition instrumentale d'une certaine Flora H. Donc là, c'est vraiment la version instrumentale. Vous aurez la partition, si vous voulez la jouer, je sais pas moi, au piano ou un autre instrument, qui est vraiment les notes de la mélodie. Ça fait... Donc cette partition-là, vous l'avez aussi sur le site de Moustache, et vous avez même une bande-son. Attention, je vous passe un petit bout. Ça fait très canard, hein, du coup. Mardi, ils s'en vont jusqu'à la mer, mer, mer. Donc là, pour le coup, vous pouvez le chanter un peu plus grave. Voilà. Donc, tout ça, vous retrouverez sur le site de Moustache. Sachez que cette semaine des canards, vous pouvez très bien dire, je l'utilise pour loup et à la place d'avoir des canards qui vont à la mare, et ben c'est le loup qui va à la mare, pourquoi pas. Lundi, le loup s'en va à la mare, 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 mardi, il s'en va jusqu'à la mer, mer, mer. Mercredi, il organise un grand jeu, jeu, jeu. Voilà, vous pouvez le faire aussi avec loup. D'ailleurs, pareil, encore de la pub pour lui, mais sur le site de Moustache, vous avez toutes les versions. Vous avez le Lapin Simon, vous avez le Lapinou, vous avez même avec Barba Papa, je crois. Enfin, vous avez plein, plein, plein de versions de cette Semaine des Canards adaptées à d'autres mascottes. Maintenant, on en revient au mien là, au loup au zoo. Et la version lundi, le loup se peignit en vert. Alors, cette version-là, elle est inspirée de la Semaine des Canards. Je l'avais trouvé à l'époque, c'était en 2015, hein, mon document date de 2015, sur un site qui n'existe plus.
c'était Madame Alizée. Voilà. Donc, je l'ai pu retrouver. Par contre, en tapant « Lundi, le loup se peignit en vert, vert, vert », sur votre barre de recherche, vous tombez sur le PDF que je vous remettrai quand même dans mon blog, puisqu'on ne le trouve plus ailleurs. Alors, au niveau du tuto, c'est extrêmement simple, puisque vous avez trois accords, et la plupart du temps, dans cette chanson, on n'en joue que deux. Donc, le premier accord, c'est un accord de sol, et vraiment le sol simplifié, puisque en plus, comme je le fais en arpège, moi, j'utilise que la première et la dernière corde en position 3. Tout simplement. Je fais juste ça, je ne m'abuse pas à mettre le troisième doigt, puisque je le fais en arpège. J'utilise cet accord simple. L'autre, c'est l'accord de Ré, que vous connaissez, puisque dans toutes les chansons que je vous ai montrées avec deux accords, il en faisait partie. Donc, Ré, Sol. Et vous aurez aussi l'accord de Do. Donc, pareil, je vous mettrai la grille de cet accord. Mais simplement, avec Sol, Do et Ré, vous pouvez faire cette chanson. Comme dans toutes les chansons que je mets sur mon blog, je vous propose plusieurs versions en fonction de votre niveau de difficulté. Alors, il y a la version très très simple, où on va aller avec la pulsation. Donc ça va faire lundi le loup se pète. C'est vraiment d'accompagner les enfants dans leur chant et d'avoir voilà, une petite base musicale derrière. Ça peut suffire. Après, on a la version où on augmente la pulsation. Ça fait vraiment lundi, le loup se peignit en vert, 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 mardi, il s'habilla tout en rouge. Et là, très vite, on se dit, oh là là, ça fait un peu, on a envie de faire autre chose. Eh bien, faites-le. Ça va progressivement, vous allez avoir envie de faire chose de votre main droite. Et la version que moi je fais quand je le fais vraiment avec les accords, c'est ce fameux bas, au bas, au bas, au bas, celle que j'utilise, je vois, qui me vient spontanément. Et donc vous pouvez faire lundi le loup se peignit en vert, vert, vert. Donc là du coup ça fera vraiment bas, au bas. La version arpège, donc lundi le loup se peignit en vert, vert, vert. Je prends le pouce index majeur annulaire, donc le pouce vers le bas et les autres vers le haut, et ensemble. Vous voyez ? Donc d'abord un arpège, lundi le loup se peignit en vert, vert, vert. Il y a quasiment toute la chanson qui se fait avec ces deux accords, sol simplifié et ré. Et c'est vraiment tout à la fin au niveau du vendredi qu'on aura une petite variante avec le do. Donc, vendredi roula dans la bouma. Et alors là, vous avez un do. Que je joue avec les enfants en arpège et je sais pas comment ça s'appelle. Donc je vous mets ces quatre versions sur le blog. Si vous avez des questions, eh ben demandez-moi, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.